Good morgen, allez, Iden Messus sera aujourd'hui, l'Elohim Nishmat, Claude Shlomo, Ben Shalom, Lucien Batrina et Léa Chaya Bat Mazal Tov. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Maserhet Sota, Perektet, Mishnahet. Mishnahé, Nifteru Zikne Yerushalayim Vehalchulahen, Zikne Otahir Mevin Eglat Bakar Asher Lo Ubadba, Asher Lo Mashcha Beol, Ve'en Amum Poselba, Omoridin Otah Lenachalitan, Ve'etan ke mashmao kaché, afalpi, sheno etan kasher, ve'orfin ota bekofitz me'achoreya, ou mekoma asur milizroa ou mila avod, ou motar lisrok sham pishtan ou l'naker sham avanim. On traduit, d'abord, je rappelle où on en est précisément. On parle de la Egla Arufa, la Egla Arufa, c'est la fameuse génisse qu'il va falloir. Énuquée, comme ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah, donc on va expliquer ensuite comment ça se passe. Concrètement, on parle qu'on a trouvé un mort entre deux villes. Il fallait mesurer de quelle ville était-il le plus proche. Et cette ville, qu'on va décider que c'est cette ville la plus proche, c'est elle qui devra s'occuper de faire le fameux rituel, la capara, l'expiation, une certaine expiation. Il va falloir apporter une génisse et l'énuquer là-bas, lui briser la nuque, en fait, avec une hache. Maintenant, pour mesurer, il fallait nécessairement les juges du Sanhédrin qui venaient ici, les juges de Yerushalayim. Une fois que les juges de Yerushalayim sont venus, en fait, c'est un peu les arbitres entre les villes. Vous comprenez le principe? Si je peux rajouter, je ne sais pas, c'est pas précisé, moi, comme ça je comprends l'histoire. Eux, c'est les grands juges qui gèrent tout. Ils vont, eux, décider à quel petit tribunal attribuer le devoir de faire la Glaroufa. Donc maintenant on a mesuré qu'il y avait deux villes, il y avait la ville Aleph et la ville Beth. Le cadavre était plus proche de la ville Aleph, parce qu'on a soit on a mesuré selon la gorge, selon la bouche, selon le nombril, comme on a vu dans la mission précédente. À présent, ça on a fait une mesure, on a dit toi, ville Aleph, c'est toi qui dois t'occuper d'apporter la Glaroufa. Dès lors, Nifteru Zigne Yerushalayim Valcholain, les vieux, les sages de Yerushalayim ont fini leur devoir, ils rentrent chez eux. Et maintenant, c'est qui va entrer qui va s'avancer maintenant pour continuer la suite, c'est le Zikne Ota Ahir Mevi'in Eglat Bakar. Les sages de cette ville, c'est-à-dire les juges en fait, de cette même ville, de cette ville qu'on a décidé que c'est la ville Aleph qui est responsable, ils vont apporter une Eglat Bakar. Une Eglat Bakar, c'est une génisse, une petite bâchette, en fait, une génisse. Asherlo Ubadba. Qui n'a jamais été, on n'a jamais travaillé avec elle, Charlo Mashra Beol, qui n'a jamais tiré le joug. D'accord? C'est un pasouk. Vous voyez, c'est marqué comme si c'était un pasouk de la Torah, parce que même c'est le pasouk, c'est qu'il nous précise de le faire comme ça, parce qu'en fait, on va chercher quelque chose qui n'a pas fait. Après, on va expliquer un petit peu le principe un peu qui est censé émotionnel, qui est censé éveiller. Concrètement, cette petite génisse, Ven Amum Poselba, et si elle a un défaut, ça ne l'invalide pas, parce que ça fait un corban. Lorsque tu dois porter un corban, il faut que l'animal soit parfait, qu'il n'y ait pas de moum. Tamim, la Torah l'insiste. Mais là, cette fois-ci, la Torah n'a pas précisé tamim. Même s'il y a un moum, même si elle a l'oreillette coupée, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Et ensuite, il va falloir Omoridin Otan et Nachal Etan. On va la faire descendre dans un Nachal Etan, dans un fleuve Etan fort. C'est quoi un fleuve fort? Et la Mishnah me précise. Etan kemashmao kaché. Le mot Etan, c'est quelque chose de fort, de fondé, de robuste. Eh bien, Etan kemashmao, c'est faut que ce soit un Etan, robuste, fort, kemashmao, comme son nom l'indique, caché, que ce soit dur. De quoi on parle précisément? Une marloquette originale entre Rashi, j'étais étonné par le Rambam en fait, parce que depuis qu'on est tout petit, on apprend le fromage avec Rashi, on a compris qu'il y avait une autre manière de lire la même Torah. C'est, alors, nous on a toujours expliqué, quand vous allez lire la Bible traduite et tout ça, on va expliquer que ce soit, qu'il fallait la descendre en fait, dans un endroit où il y a un fleuve asséché, où la terre là-bas elle est très dure, a priori. Le principe il est qu'on a envie que tu apportes quelque chose, on veut que tu apportes l'expiation, le principe d'apporter cette expiation, c'est d'apporter un animal qui n'a pas jamais eu l'occasion de rien faire de sa vie, et qui va mourir sans qu'on va pouvoir rien faire, à l'endroit où tu vas, on va le tuer, c'est pour marquer que malheureusement, ce mort-là, il n'apportera plus de fruits. D'accord, c'est le principe. Maintenant,
Donc on a dit qu'il faut la descendre dans un achal etan, dans un endroit caché, c'est-à-dire un endroit en fait où il n'y a pas d'eau, parce que s'il y a de l'eau, alors c'est plus un endroit dur. Et la Torah va nous préciser après, une fois qu'il y aura même un interdit de planter et d'exploiter cet endroit ensuite. Il est interdit pour l'éternité, on n'a plus le droit d'utiliser cet endroit là où on a éduqué la génisse. Ça, c'est ce qu'on a toujours appris. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un rabbin qui explique, non, un fleuve force, un fleuve puissant, un fleuve qui coule à flot, on va la descendre là-bas, en fait, c'est pas l'endroit où on a trouvé le mort. Le mort, on va l'enterrer là où on a trouvé. Mais après, il va falloir, maintenant, on va chercher un endroit où il y a un fleuve, on est près de Mevaseret Zion, près de Motsar, on va chercher là-bas, qui est un fleuve à proximité, où il y a de l'eau, selon le rabbin, de l'eau qui coule fortement. Et là-bas, on va faire l'aigle à Roufa, et d'accord, après on va, maintenant, qu'est-ce qui va être interdit ensuite de cultiver? Ce sera le bord les rives du fleuve, là on va faire ce rituel de l'aigle à Roufa, selon le Rambam. D'accord, ces deux interprétations, c'est quoi Etan qui est un fleuve Etan, dur. Selon Rashi, c'est le lit du fleuve, en fait il n'y a plus d'eau. Selon Rambam, il faut qu'il y ait plein d'eau qui coule. A priori, de toute façon, Afalpichen ou Etan Kacher, sache que de toute façon, même si finalement, il n'est pas Eitan, il n'est pas fort, malgré tout kasher, c'est quand même kasher, ça n'invalide pas. La Torah l'a précisé, si tu peux, tu trouves, si tu trouves, c'est mieux, sinon c'est pas grave. La Torah l'a dit explicitement, de toute façon, il pose une question sur le coup, il dit, on n'a jamais vu que la Torah elle-même, elle te dit que je préfère que tu fasses comme ça, mais après c'est quand même bon. C'est étonnant comme question, parce que ça existe réellement, des endroits où la Torah l'a donné des mitzvot, a priori, mais après c'est vrai, ça n'invalide pas. En tout cas, de toute façon, pose la question sur ça, on revient sur notre sujet. Il va falloir descendre la génisse là-bas, dans un endroit, une petite génisse qui n'a jamais porté de joug sur elle, qui n'a jamais travaillé, qui n'a porté aucun fruit, et on va l'amener dans ce fleuve là-bas, qui doit être Eitan, a priori. Ve'orfin ota bekofitz me'achorea, on va l'énuquer avec une hache de par derrière, c'est-à-dire par la nuque, on va prendre une hache et on lui casse la nuque. Et l'endroit où elle va, où ça va être réalisé, cette place-là, ça va être interdit à la fois de Zoréa, de cultiver, ou Mila Avod, ou bien de le travailler, cet endroit. D'accord? Tu laisses tel quel maintenant, ça reste pour l'éternité, interdit d'en tirer profit. Mais attention, quand je dis que cet endroit, il est interdit, malgré tout, ou Moutar l'Isrok Sham Pishtan, ou l'Naker Sham Avanim, on a le droit quand même d'aller là-bas pour, si on a envie de peigner, je crois que c'est ce qu'on dit, carder plus précisément, peigner du lin, ouais, on prend les anitse pishtan, les mottes de lin naturel, et puis il faut les brosser beaucoup jusqu'à qu'on va les effriter. On avait l'habitude de faire ça, j'imagine, dans un endroit qui était assez désert, parce que sinon ça fait sortir plein de particules qui dérangent. Alors, et on avait le droit de partir là-bas, ou bien encore, ou les naker sham avanim, j'ai pas tellement compris. Les naker shamavanim, ça veut dire tailler des pierres, d'accord? Ce que la Mishnah a envie de me dire, c'est que ce que je t'interdis de travailler, c'est pas de réaliser des travaux dans ce lieu. Ce que je t'interdis, c'est de travailler la terre. La terre, ça doit être une terre qui doit plus être travaillée. Mais tu as le droit de travailler sur place en faire autre chose, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, kol tov, selah.